Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Polémique autour de la composition de la commission électorale au Tchad. L'opposition dénonce le non-respect de la loi, un débat qui risque de retarder le scrutin législatif prévu cette année et déjà repoussé à plusieurs reprises. En Afrique du Sud, un studio de cinéma d'animation par ordinateur se distingue par son originalité et ses histoires centrées sur le continent. Il a reçu plusieurs distinctions à l'international. Et puis, cette jeune femme qui enchaîne une impressionnante série de figures avec un ballon de foot, Adaram Jeje, une jeune tanzanienne, elle a impressionné le monde de la toile avec ses jambes découvertes dans ce journal. Mais tout d'abord, comme pour la présidentielle au Nigeria, les résultats des élections des gouverneurs donnent une légère avance du parti au pouvoir, l'APC, le Congrès des progressistes, qui remporte 13 États. Les électeurs sont toutefois appelés de nouveau aux urnes ce samedi prochain dans au moins 6 États. Dans ces États, les deux principales formations politiques sont au coude à coude. Pour rappel, ce scrutin s'est tenu le samedi 9 mars. Il concerne 29 des 36 États de la Fédération et c'est globalement bien déroulé. Polémique autour de la composition de la Commission électorale nationale indépendante du Tchad. L'opposition dénonce le non-respect de la loi dans la désignation des membres de la CENI, des accusations rejetées par la majorité présidentielle qui dénonce une manœuvre pour gagner du temps avant les élections législatives. Mahamat Ramadan, Corinne Kamsefem. Au Tchad, la composition de la nouvelle commission électorale nationale indépendante ne fait pas l'unanimité. Pour certains partis politiques de l'opposition, la désignation des membres de la commission ne respecte pas les dispositions de la loi portant création de l'organe chargé d'organiser les élections. La loi a été violée parce que la loi dit que les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale doivent faire partie de la CENI et c'est au cas où il y a un surplus qu'on peut faire appel aux partis politiques qui ont des élus locaux. Mais malheureusement, deux ou trois des partis se sont retrouvés écartés et ils n'ont pas pu être représentés au sein de la CENI. Pour la majorité présidentielle, la composition de la Commission électorale nationale indépendante est faite conformément à la liste des représentants des partis soumise au cadre national de dialogue politique par leur formation politique. Elle estime par ailleurs que l'opposition cherche à gagner du temps avec des contestations injustifiées. Le premier responsable, c'est le chef de file de l'opposition lui-même parce qu'il sait qu'il y a une procédure et que chez nous, au niveau du CNDP, nous avons toujours agi par consensus, que ce soit l'accord qui a créé le CNDP, que ce soit les règlements intérieurs, mais il a fait une liste en dehors des membres de l'opposition et qu'il a fait transmettre et cette liste a été prise en compte. Cette contestation autour de la composition de l'organe indépendant chargé d'organiser les élections risque de retarder le scrutin législatif prévu cette année et déjà repoussé à plusieurs reprises. Rétropédalage du gouvernement soudanais, l'état d'urgence a été réduit d'un an à 6 mois. Ce lundi, le Parlement a voté la réduction de l'état d'urgence décrété. Il avait été décrété le 22 février dernier par le président Omar el-Béchir pour faire face aux manifestations contre son régime. C'est en août 2019 au lieu de février 2020 que prendra donc fin l'état d'urgence en vigueur au Soudan. Pour rappel, le pays est secoué par un mouvement de protestation initié par des ONG et des syndicats, dont l'Association des professionnels soudanais. Le mouvement vise depuis janvier le départ du président de 75 ans au pouvoir depuis 1989. Pas de cinquième mandat pour Abdelaziz Bouteflika. Il renonce face à la pression de la rue. Le président algérien a annoncé qu'il n'est plus candidat à sa propre succession. Le chef de l'État reporte également la présidentielle du 18 avril et promet une transition qui serait menée par une conférence nationale. Mais l'idée de cette conférence nationale est loin de convaincre les Algériens. Cheikh Omar Bandaougo. L'actualité politique algérienne affiche davantage d'ambiguïté depuis le 11 mars. En renonçant à briguer un cinquième mandat, le président Abdelaziz Bouteflika, à travers un communiqué, n'a pas non plus mentionné la date de l'élection présidentielle initialement prévue pour le 18 avril.
Il est plutôt annoncé la mise en place à partir du 2 avril d'une transition pour gérer les affaires du pays. C'est une fausse sortie, si vous voulez. C'est pour calmer le jeu, mais les gens ne sont pas dupes. On s'attend à ce que ce vendredi, ça soit vraiment le summum du mécontentement populaire et tous les gens ont compris que c'était une fausse manœuvre. Après l'annonce du retrait de la candidature du président Bouteflika et la démission du désormais ex-premier ministre Ahmed Ouyaya, un tandem a été promu à la tête du gouvernement. Noureddine Bedoui et son vice-premier ministre Ramtane Lamamra sont chargés de former un nouveau gouvernement. On reprend les mêmes et on recommence. Et en même temps, ils se donnent tout le temps de, si vous voulez, il reste mettre des horloges. Et ça, les gens l'ont bien compris. Donc, si vous voulez, c'est un coup d'épée dans l'eau. Les gens sont déçus, mais ça leur donne plus de courage encore pour continuer à revendiquer plus de liberté, surtout la disparition de l'équipe de Bouteflika. Si la décision du président Abdelaziz Bouteflika est vue comme une victoire pour certains, d'autres ne perdent pas de vue que l'Algérie, pour des années encore, pourrait encore être dirigée par le même système. D'autres manifestations sont annoncées pour vendredi 15 mars. La rue ne décolère pas. C'est le plus grand studio d'animation du continent, Tigerfish, un studio sud-africain de cinéma d'animation par ordinateur. Il innove dans le monde de l'animation en créant des histoires centrées sur l'Afrique et destinées au public du continent, des réalisations qui lui ont valu des récompenses. Marcel Farbamaroun. Kumba, Adventures in Zambezia et plus récemment Revolting Rhymes, autant de productions dont les thèmes portent sur le continent africain, réalisées par le studio d'animation Tigerfish, basé au Cap, en Afrique du Sud. En 2012, le film Adventures in Zambezia avait rapporté plus de 34 millions de dollars au box-office. Malgré ses performances, les promoteurs du dit studio optent désormais pour une stratégie de diversification. Une grande partie du contenu que nous obtenons et qui est produit sur ce support est très eurocentrique et assez occidental. Et je pense que la diversification de ce contenu dans cette industrie a vraiment une grande valeur. Il y a aussi beaucoup d'histoires afrocentriques qui peuvent être racontées et cela peut vraiment apporter une valeur élevée aux productions. Avec plusieurs distinctions, notamment une nomination aux Oscars 2018 du meilleur court-métrage et d'autres nombreuses récompenses, Tigerfish est aujourd'hui le plus grand studio d'animation du continent. Je pense que l'animation est le type de narration le plus grandiose. Donc vous pouvez tout faire. Vous pouvez créer tout ce que vous pouvez imaginer et vous pouvez utiliser une métaphore et des animaux parlants. C'est donc un excellent moyen de communiquer car vous pouvez apporter des histoires qui ne peuvent pas être racontées d'une autre manière. Hormis les productions de films d'animation, le studio Tigerfish annonce la mise en place prochaine d'une académie avec pour objectif d'enseigner aux jeunes les opportunités qu'offre cette industrie. Tigerfish s'est également lancé dans l'industrie de jeux vidéo, un autre marché en plein essor en Afrique du Sud. Elle a impressionné le monde et même le président américain Donald Trump, Adara Charles Mjeje est la nouvelle star d'Internet avec ses jongles qu'elle enchaîne dans les rues du centre-ville de Lilongwe au Malawi. Passionnée de football, les prouesses de cette jeune mère de 29 ans ont ainsi été visionnées 9,2 millions de fois sur la toile en seulement 2 jours, Solange Dubois. Elle attire les foules partout où elle passe. Adara Jégé est une showgirl passionnée par le football. Cette mère de famille originaire de Dar es Salaam est devenue célèbre dans le monde entier grâce à une vidéo partagée sur Twitter, faisant découvrir sa technique de kipi-upi. J'ai commencé à jongler avec des pelures d'orange et cela m'a beaucoup plu. Après les pelures d'orange, puis un ballon de football à la main et enfin un ballon de football adéquat, j'ai regardé Ronaldo et Messi. Ils m'ont beaucoup inspiré. Après une série de 90 balles d'affilée, elle alterne en se servant de sa tête et de son épaule. Tandis qu'elle se relève, elle pose la balle sur sa nuque, puis utilise ses pieds. Un show qui lui a valu l'admiration du président américain Donald Trump et de nombreux fans à travers le monde. J'ai observé ses aptitudes et je me sens intimidée. Je ne peux pas égaler son contrôle de balle. Elle a été reconnue dans le monde entier. Il est donc temps que nous la reconnaissons ici aussi. Ces prouesses ont ainsi été visionnées 9,2 millions de fois sur la toile en 2 jours. Adara Njeje compte devenir professionnelle et espère à présent trouver un contrat de sponsoring.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.